Aïe 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 C'est quel salon de couture ça là? On prend les messieurs et puis on se colle comme ça. Yeah! Non, même si je n'ai pas envie de coudre la vie, je vais aller prendre mes messieurs. Maman Nangai. Ah bon? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est pour prendre vos messieurs? Oui, oui. D'accord, donc que Non. Je suis pas pressé. Quand la fille va finir de prendre là, elle va prendre mes mesures. Ah, mais ça peut être je suis là. Je vais prendre vos mesures. J'ai dit, je suis pas pressé. Je veux que cette fille prenne mes mesures. Donc, ne vous dérangez pas, hein. Je suis pas pressé. Même si c'est jusqu'à 20h. Je suis là. On est deux à le faire. Je peux prendre vos mesures. Oh, non, tu déconnes. Tu déconnes. Je dis, je suis pas pressé. Y'a quoi? C'est pour ça de prendre mes mesures. Oh. Je dis, j'attends la fille. Tu es là, tu insistes là. Oh, désolé. Le client est roi. Que quoi? Le client est roi. Hey. Hey, aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Elle a doctorat en prendre mesure. Celle elle a fait longue étude, hein. Tu racontes quoi même? Monsieur Servant. Ah d'accord, merci. Je pourrais passer prendre ma tenue quand? Dans une semaine. Au suivant. Ok. Regardez ce qui va se passer ici. Venez. Hey, aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Oulé. Daïla. Oh mon Dieu! Ah ouais, le monde part en couille. C'est pas clair cette affaire. Voilà. Sinon c'est devant là qui est bon, hein. Bagana lingala, le bagana lingala. On va le juger. Pourquoi? Oui, parce que il est salopard. Jésus. Voilà, monsieur, c'est bon. Aïe, déjà, c'est vite fini. Moi, c'est boubou 3 pièces, si je veux. Hein. Uh-huh. Avec chapeau, uh-huh. Et puis col roulant. Uh-huh. Donc, tu dois prendre mon cou, uh-huh. Mon oreille, mon nez, uh-huh. Mon front. Tu vois, tu. Hein? Non, mais si on n'a pas besoin de tout ça. Ça, c'est quel pays? Point d'interrogation. D'accord, y'a pas de soucis, ça marche. Donc, je reviendrai encore pour d'autres mesures. Parce que j'aime bien cet atelier-là. monsieur, où est-ce que vous battez comme ça? Mon gars. D'abord, vous payez l'avance avant de rentrer. Mais moi, je savais pas qu'on paye une avance. Moi, je voulais venir récupérer la tenue et puis j'allais payer en même temps tout. Payez d'abord l'avance pour les mesures et puis vous rentrez. Voilà, c'est ça. Vous avez commencé à vous souvenir, non? Donc, payez l'avance. Mais en fait, bon, si c'est comme ça, je vais rentrer à la maison, prendre l'argent et puis venir payer. Jamais. Vous avez gagné un client, hein? Vous avez gagné un vrai client. Moi, j'allais venir toujours ici, hein? Ah bon? Donc pour cette fois-ci là, laissez. Là prochainement je vais donner l'avance. Jamais. Soit on va se dire à la police. Yeah! Hey! Tout est gâté. Bon, ce qu'on va faire, il y a une solution. C'est 50 000 francs d'avance. D'accord, il y a une solution. Je vais appeler mon frère qui est en Europe. Il va envoyer de l'argent par TapTapSend. C'est un bon souci. Parce que TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet à la diaspora d'envoyer de l'argent depuis l'Europe, les États-Unis, vers le Burkina Faso. Non, je vais l'appeler, il va envoyer l'argent là tout de suite. Allez-y alors. Merci beaucoup, grand frère. Vous me sauvez. Applaudissez. Ouais, c'est vrai, applaudissez. J'attends. C'est venu. Oh. Voilà, c'est parti. Oh. C'est venu. Ouais. Waouh, mais c'est tellement rapide. Ouais, hein. Grâce à TapTapSend. Non, c'est vraiment la meilleure application. Mais... Et venez dans une semaine.